Nous sommes le 27 avril 2012. À 20 mètres de la maison environ, au petit matin, 8 heures, deux renardeaux se partagent une patte, enfin se partagent, c'est beaucoup dire, car vous pouvez remarquer que le plus gros des deux s'acharne, racle la patte le plus possible, pendant que l'autre, le petit, attend son tour, en espérant qu'il en reste. Et je racle, et je racle. Ram, à pleine dent. Que c'est bon. Dis, tu m'en laisses? Tu vas m'en laisser un petit peu quand même? Moi, j'ai faim, moi. Oh, j'ai même pas le droit de regarder. Tu me surveilles, hein? Moi, je t'en laisserai un petit peu, bon. Peut-être. Oh là là, il m'en laissera même pas un petit bout, hein. Il va tout manger. Ah, je vais quand même pas manger des insectes. Pour un renard, ça se fait pas. Eh ben, il est parti, le petit. Pendant que le gros racle toujours l'os. C'est la loi du plus fort. D'où vient-elle cette patte? Sans doute la mère qui l'a amenée la nuit. Mais d'où sort-elle? La chasse est pourtant fermée à cette époque. Un chevreuil blessé sans doute sur la route par une voiture qui est mort dans un coin et la mère a ramené la patte. Tiens, j'ai entendu quelque chose. Oh. J'ai entendu quelque chose. Moi, je vous le dis. Bon, bon, bon. Ouais, bon, il est temps de partir. Voilà la patte, ce qu'il en reste. Maintenant, je vais aller faire un petit tour dans la tanière qui est un peu plus bas. Vous allez entendre des cris évidemment, il fait noir dedans. Voilà, j'espère que vous avez apprécié.
Merci et à bientôt.